Mike. C'est pas moi. Ladies and gentlemen, faites une ovation pour Satan. Salut les petits. Jennifer, c'est enfin un plaisir de faire ta connaissance. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là? Raoul, ça roule? Francis, tu permets, je me pose un peu là. J'avais pas vu ça comme ça là. C'est pas le voyage qui m'a fatigué, moi. Non, moi je me téléporte. En règle générale, je me téléporte. J'apparais, paf! Je disparais, j'apparais, je disparais, paf! Y'a plus personne. En général, ça fait flipper les gens. Mais vous, ça a l'air d'aller. Hein. Mais vous êtes qui au juste? Please, allow me to introduce myself. I'm a man of wills and taste. 666, the number of the beast. Je suis le diable. Je suis le diable! Ça sert à quoi que je me casse le cul à faire une intro? On m'a dit, vas-y, Satan, fais-la toi-même ton intro, ça va claquer avec ta voix grave et tout. Ça va déchirer. Mais au lieu de ça, j'ai préféré faire bosser mon petit personnel. Ma secrétaire, histoire de justifier un peu son salaire. Enfin bon, je vais pas vous raconter ma vie. Raoul, Jennifer, on y va là. On vient. Allez! Ah. Je vous voyais pas vraiment comme ça. C'est normal. C'est entièrement normal. Il y a deux écoles. Primo, il y a ceux qui veulent me voir avec les cornes, la pique, tout rougeau à la Hellboy, là. Le gros bourrin, là. Le gros monstre, quoi. Et il y a les autres qui veulent me voir en costard, grand manipulateur qui a la classe, que du style. Mais je suis pas Pacino ou De Niro, moi. Non, moi, c'est Satan. The Satan. Tu vois? C'est tout simple. Et Satan, il fait ce qu'il veut. Mais Satan, il est un peu plus subtil que ça. Et comme ton histoire, elle pue, regarde comment je suis. J'ai aucun style. Il n'y a rien. Aucune touch. Aucun style. No fashion. Pas fashion. Du tout. Mais je vous ai pas invité, moi. Je vous ai même pas imaginé. Mais c'est normal. Je m'incruste. Je demande pas. Hein. Je fais pas, oui, est-ce que tu pourrais... Non. Non, moi, je m'incruste dans toutes les histoires. Je fais ce que je veux. Vous entendez? Je fais ce que je veux. Je suis là. Où il faut être au bon moment. C'est comme ça. Bon, tu me sers un drink ou je dois me déplacer là? Relax, je vais pas vous bouffer. Moi, mon truc, c'est de faire plaisir aux gens. Je suis un grand altruiste en fait. C'est-à-dire? C'est altruiste qui te fait bloquer? Ah non! Non. T'es vraiment un bon, toi. T'es un des meilleurs, quoi. T'es voire le meilleur, quoi. Je suis désolé qu'il vous ait convoqué. Tu, dis-moi tu. Je suis désolé qu'il t'ait convoqué. C'est une erreur regrettable. Tu peux partir. Alors là... Je dis chapeau, hein. Bien vu la façon d'éliminer le problème. Dégage, c'est bon. Hop, t'es plus là. Tu peux dégager, en gros, on va dire ça comme ça. Mais je suis pas un de tes gentils personnages, moi. Je suis pas ton pote. Et si tu m'embrouilles, je te le dis, je suis assez sympa avec toi, mais si tu m'embrouilles, si tu me prends la tête, hein, si tu vas un peu trop loin dans les niveaux de prise de tête, ça va être tout simple. Je vais te bousiller des épisodes, moi. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 4 épisodes, je vais les foutre en l'air. Et puis, si j'ai vraiment envie, tu vois, si j'ai le cœur qui me parle, eh ben ça peut aller, tu vois, à une saison. Une saison entière que je te... d'un coup de doigt comme ça, je... C'est fini. Et je peux même aller, attends, 2 secondes, je peux même aller jusqu'à la suivante, et ainsi de suite, hein. Tu vois, il n'y a pas de... Ça peut être comme ça. Vas-y, Satan, je te laisse gérer. Je préfère ça. Moi, je suis venu voir celui qui m'a convoqué. Et c'est pas lui avec sa tête de Popols, hein. On dit pas Popol, on dit Popols, hein, je crois. Popols, avec un Z. Non. Je suis venu surveiller un de mes investissements. Un poulain sur lequel j'ai beaucoup misé, mais qui promet beaucoup. Tu leur as rien dit, Raoul? Hein? Alors bon, il est vrai, il est possiblement exact que j'ai néanmoins probablement
émis le souhait de peut-être... On va dans un temps, quoi? Alors bon, il est vrai, il est possiblement exact que j'ai néanmoins probablement émis le souhait de peut-être... On va dans un temps, c'est pas réglé. Attendez, j'ai un truc ici que j'ai encore jamais utilisé. Alors comment ça marche? Ah ouais, c'est ça. De rencontrer Satan pour signer un contrat avec lui. Tu peux nous expliquer ça, Raoul? J'étais même pas au courant. Ce qui est quand même un comble en tant que créateur. Tout à fait, Mike. Tu te rends compte? La honte qu'il doit éprouver en étant le dernier à apprendre un événement si important. Merci, Mike. C'est à se demander si quelqu'un contrôle encore cette création. Merci, Mike! Ah, oh, il me saoule, lui. Non mais, c'est mon personnage, quand même. Vous inquiétez pas, il reviendra bien assez tôt. Explique-nous ça, Raoul. Non. Je suis ton créateur et je t'ordonne de répondre à ma question. Pop, 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 pop. Et ouais. J'ai sur moi quelques pages du contrat, hein. Le contrat qu'on a signé. Alors, par contre, c'est quoi? Non, c'est pas ça, ça c'est pas bon. Si la personne roule en Ferrari, non plus, ça, ça va pas. Vie quotidienne, alimentation, non. Là, on a peut-être une clause pas mal, là, ouais. On a peut-être un bon truc. Alors, se dit d'une petite perdrix qui se cache dans les champs. C'est pas ça non plus, hein. Ça c'était au Moyen-Âge, hein. C'était plus du tout maintenant. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas ce qui nous intéresse en fait. Non, ça c'est suivant s'il y a une décapitation qui se fait proprement ou pas. Non. Bref. En tout cas, il est bien évident qu'il est pas du tout obligé d'en parler. Il fait ce qu'il veut. Alors, pourquoi vous êtes là si c'est pour qu'il ne nous dise pas? Pour foutre la merde. Vous avez remarqué, je suis pas bipé. Merde. Because... I'm the devil. Merde, merde, merde. Et re-re-merde. On fout la merde, ma mignonne. Mais attendez, je croyais que vous étiez altruiste. Altruiste, altruiste. Qui t'a dit ça, ma jolie? C'est des conneries, ça. C'est des conneries. Hein? Moi, je fais miroiter des trucs de ouf au chaland. Je... Comment dire? Je donne, je... Là, tout d'un coup, ça part. Il y a du bim et du bim et du re-bim. In the pocket, tu vois. Je ramasse la mise. J'essors l'âme comme une serpillière. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Alors oui, dit comme ça, je passe pour un honneur d'avoir signé un contrat avec lui. C'est sûr. On a droit à certains avantages de son vivant. Oh, mais c'est rien, ça. C'est rien du tout. J'aurais jamais rien donné d'intéressant, moi. Ils veulent, de toute façon, en général, ils veulent du pognon. Satan, est-ce que je pourrais avoir du pognon? Ou alors, j'ai déjà un max de pognon et j'aimerais en avoir encore plus. T'as gagné combien, toi, alors? En fait, Raoul, ici présent, m'a fait une demande qui sort de l'ordinaire. C'est pour ça que je prends soin de lui. D'ailleurs, j'en ai pas encore vu la couleur. J'y travaille, relax, hein. Relax. I'm work on it, man. I work on it. I have many farfadets qui bossent pour moi, mec. Si pas de résultat, pas d'âme. Ouais, bah écoute, c'est tout simple. Tu vois, ça tient en, je sais plus, 5 mots. Le contrat, c'est moi. Bon, c'est pas que je m'emmerde, mais je vais plier les gaules. Oh, quel dommage. Dommage. Vous prenez pas la tête à faire les sympas. Je sais très bien que vous pouvez pas me blairer, et ça me plaît. Quand on est Satan, on sait tout, on voit tout. Alors, si vous savez tout, vous savez comment on va finir cette histoire. Carrément. Et ça finit comment? Mal. Très mal. Très très mal. Pour vous tous. Et spécialement pour toi. La pire fin qui soit. Et quand ça arrivera, je serai au premier rang. Eh bien, on fera tout pour pas que ça arrive. On improvisera. C'est ça, c'est ça. Tu vas improviser. Je sais tout, je vois tout, je te dis. Et je te dis aussi que dans 2 secondes, tu vas pousser un cri de puce à l'effaroucher. Aïe! Mais ça fait super mal, il m'a piqué avec son aiguille! Eh ouais. Allez, salut les blaireaux. Laisse tomber, tu peux rien contre lui. Moi, je dis que tu peux. Ça se tente. Ah, il est con ce mec.